Bonjour Hervé Niquet. Bonjour Madame Saskia. Oh pétard, j'ai foutu un souk la semaine dernière avec ma chronique. Ça m'apprendra à ouvrir ma grande gueule et à parler des choses dont personne ne veut parler. C'est vrai que je ne suis ni un humoriste ni un homme politique et que je m'y suis pris, mais alors vraiment comme un manche, pour parler d'un sujet qui me touche. Il y a 40 ans, je suis passé de ma campagne picarde à l'Opéra de Paris sans aucune autre préparation que mes études de piano. Et pendant les 8 années que j'y passais comme pianiste répétiteur, ballet, soliste, fausse, plateau et chœur ont été mes territoires d'apprentissage. Et quand je vous dis apprentissage, ce fut à marche forcée et à coups de pompe dans le cul. Car cette maison exigeante m'a appris mon métier et procuré expérience et émotions profondément inscrits dans ma mémoire. Certains ont compris la semaine dernière que je béatifiais les intermittents pour discréditer les choristes permanents des maisons d'opéra. Certains semblent vouloir expliquer que je suis un tortionnaire de chanteurs. Vous croyez vraiment, Madame Saskia, que j'aurais couru devant une soixantaine de députés et sénateurs à l'Assemblée nationale pour leur expliquer le sacrilège qu'était de faire disparaître la ligne de crédit finançant les conservatoires? Vous croyez que je me serais insurgé ici même, il y a peu de temps, contre la volonté de l'inspection d'Académie de Toulouse de fermer les classes à horaires aménagés et de laisser 200 étudiants, 200 élèves sur le carreau, si je n'étais soucieux de l'état de la musique en France? Alors d'accord, je m'y suis pris comme une andouille pour poser la question de la reconversion des choristes professionnels, épuisés par une vie de stress et de pression. Mais là où j'ai réussi, c'est que dans les réactions des musiciens choqués par ma chronique, et je leur demande pardon, toutes, vous entendez, toutes les raisons d'usure, d'épuisement et de difficulté de reclassement sont énoncées par les artistes eux-mêmes. Franchement, comment peut-on imaginer un opéra sans chœur? C'est le sommet de l'art lyrique, c'est le débordement du Nil, l'éruption du Vésuve, quand chœur et orchestre vous inondent de ce qui sort de l'esprit des compositeurs. Ce que l'on sait moins, c'est que ces gens qui dédient leur existence à la scène entendent parfois des metteurs en scène demander au chef d'orchestre « Maestro, on ne pourrait pas couper certains chœurs, c'est long, je ne sais pas quoi en faire. » Vous pensez que c'est bon, franchement, pour le moral des artistes des chœurs? Alors, je veux bien servir de bouc émissaire ou de brebis galeuse, salon de l'agriculture oblige. Je veux bien rendre mon tablier et retourner à ce que je sais faire de mieux, à savoir la blanquette de veau. Mais au moins, ma chronique de la semaine passée aura soulevé un sujet dont on parle trop peu et qu'on gère encore moins bien, à savoir la reconversion des artistes usés quand on porte bientôt la retraite à 70 ans. Nous avons tous à cœur une seule chose, Madame Saskia, la qualité des spectacles auxquels on participe. Je vous remercie, Hervé Niquet, pour cette chronique. On la réécoute et on la partage sur francemusique.fr et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Cher Hervé, à la semaine prochaine. À bientôt.